Salut, salut! Bienvenue! Bienvenue au Midi Box du mercredi. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Pour celles qui ne sont pas au courant, je suis en direct à tous les midis, à tous les mercredis midi pour travailler avec les boîtes créatives Stampin' Up. Donc, il y a 2 semaines, la semaine passée, malheureusement, j'étais pas là, j'étais en formation. J'ai travaillé avec la boîte Détente Bohème et aujourd'hui, je veux vous montrer des cartes que j'ai faites, des cartes que j'ai travaillées autrement avec les produits de la boîte et je vais même bricoler avec une boîte, avec pas une boîte, mais en ajoutant d'autres produits là, à cette boîte-ci. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Donc, pendant que je cherche ma vidéo, vous voyez mes cartes que j'ai faites en fait la semaine, il y a 2 semaines. OK? Donc, voilà. C'était là les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, des 2 cartes que j'avais fait la semaine passée avec la boîte Détente Bohème. Donc, cette semaine, je voulais vous montrer ce que j'avais fait en fait avec le jeu des tempes. OK? Quand vos cartes vont être terminées, là, il vous reste quand même le jeu des tempes, il vous reste aussi le cube d'encre. Donc, c'est le fun hein, de faire quelque chose avec. Alors, je vous montre ce que j'ai fait vite, vite, vite. C'est super simple. OK, donc j'ai pris ce feuillage-là ici avec de l'encre vert olive que j'ai étampé une première fois, mais sans réancrer, j'ai réétampé une deuxième fois. OK, donc vous voyez que c'est vraiment très, très simple. Ça fait une belle carte super rapide et profite de ta journée. Ben, ça vient aussi du jeu d'étampe. J'ai fait aussi celle-ci, en prenant l'autre feuillage que j'ai étampé tout simplement en 3 couleurs différentes. J'aime ce nouveau combo-là. Lagon lointain, pavé de galets et mauve mélancolique. Donc, vraiment très, très simple. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes cartes sont un petit peu plus petites, OK? Ce que j'aime acheter, c'est vraiment, c'est un kit qu'on appelle carte, notes et enveloppe. Donc, vous avez les petites enveloppes et vous avez les bases de cartes qui sont déjà rainurées, OK? Comme dans les boîtes créatives, sauf que les formats sont plus petits. Vous en avez, je crois que c'est une vingtaine, j'ai plus l'étiquette. Vous en avez quand même une vingtaine, donc vous êtes capable là, de vous amuser et d'offrir des petites cartes vraiment super simples. OK? Donc, ceci étant dit, j'ai le goût de bricoler. Je vais même vous donner un petit truc. OK? Donc, je me suis pris une base de cartes Piscine Party. Okay, qui mesure 5,5 par 8,5. C'est un carton qui n'est pas dans la boîte en tant que tel. C'est un carton que je me suis pris là, dans mes choses, carton de Stampin' Up. Mais je suis quand même restée avec la couleur okay, de la boîte. En fait, regardez, c'est cette carte-ci qu'on va faire. Okay? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le devant de la carte, la base de carte en deux. Okay? Si je prends une carte que j'ai faite du modèle proposé, vous voyez que le devant et le dos, c'est un motif. Okay? J'ai tout simplement coupé ça en deux pour pouvoir faire un devant de carte tout simplement. Okay? C'est vraiment très simple. Et donc, ça nous fait 2 cartes quand on rajoute du carton. Là, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si vous êtes capable d'écrire. Je ne les vois pas malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que sur ma page, je suis incapable de les voir. Alors,
encore une fois, ça va être quand même une carte assez simple, mais je vais rajouter du matériel qui n'est pas à la base avec cette carte-là, qui ne figure pas dans la boîte, mais que je trouve qui se coordonne très bien. Alors, je vais prendre le jeu des temps dans mon camion. Oh my God, je capote! C'est encore une fois dans la boutique en ligne, à la même place où est-ce que vous trouvez les boîtes créatives. Et je vais prendre aussi cercle amical. Je vais prendre aussi cette petite étampe-là avec le soleil et les vagues. Je trouve que ça fit super bien avec cette carte-là. Donc, on va y aller avec une carte, je dirais, full soleil. Donc, j'ai déjà étampé ma petite voiture une première fois en Memento. Et j'ai étampé aussi mon étampe de soleil et de vagues en Memento. Ici, j'ai utilisé les Stampin' Blends Narcisse Délice et Piscine Party. OK? Des marqueurs à l'alcool, vraiment super le fun à travailler. C'est smooth, les couleurs se mélangent très bien. Je l'ai fait en avance pour pas que ça prenne trop de temps. Et je vais prendre la perforatrice 2 et 3 huitièmes. C'est coordonné avec le jeu cercle amical. OK, donc j'aime bien les perforatrices qui sont coordonnées. Alors, je vais aller couper tout de suite mon cercle. Vous voyez que je travaille à l'envers. Donc, c'est plus facile d'aller couper puis de bien s'enligner. OK? Ensuite de ça, je vous ai dit que j'avais déjà ma petite voiture. Là, je vais aller lui mettre de la couleur si je monte mon message, pas mon message, mais ma carte. Je vais y aller en piscine party. Sur mon jeu d'étampe, vous voyez qu'il y a l'image ici que je viens d'étamper et il y a l'image pleine, en fait, du camion que je vais utiliser pour ajouter de la couleur. OK? J'y vais en piscine party et là, je m'enligne. Les étampes sont transparentes, donc c'est facile. Oh, regardez ça! C'est-tu cute? Donc, c'est facile de s'enligner. Scoop! Au mois d'août, mes cartes de Noël sont avec ce jeu des temples. Je vous en dis pas plus. Je vais aller colorer, j'ai oublié de les sortir, je vais aller colorer les petites roues en fait en couleur ardoise bourgeoise, comme ça ici. Et je vais y aller avec le noir pour l'intérieur ici et les pneus. OK, vous voyez, c'est pas très très compliqué là. J'aurais pu aussi colorer l'intérieur de ma voiture avec les Stampin' Blends. Et là, eh bien, il y a une perforatrice qui vient avec la voiture. Malheureusement, elle n'est pas disponible pour l'instant. OK? Mais elle va revenir au mois d'octobre. Mais on est capable de couper la voiture avec nos ciseaux. OK? Donc, empêchez-vous pas d'acheter la voiture parce que le jeu d'étampe, pas le jeu d'étampe, mais la perforatrice est plus disponible. Donc là, je vais aller coller ça avec des dimensions. Je vais faire un petit peu de changement pour ma carte que je vais refaire. Je ne mettrai pas de corde en arrière. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Quand je vais avoir terminé ma vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, je ne vois pas pantoute si vous m'écrivez ou non. Alors, je vais coller ça ici, comme ça. Je vais faire la même chose avec ma voiture. Donc, je vais aller coller ça en dimension. Voilà. Et je vais l'embarquer un petit peu, je dirais, sur mon cercle. OK?
J'ai déjà aussi, je ne sais pas si vous voyez, découpé et coloré. C'est un palmier avec une planche et un ballon. Dans le coffre de la voiture, on peut y rajouter un sapin, un palmier, des cadeaux, des fleurs, ici des fleurs. OK, c'est le fun, on peut y rajouter des choses. Donc, j'ai déjà découpé, pour que ça y aille plus vite, là, le palmier. Donc, je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup avec la vague et le soleil. Alors, voilà, je vais aller coller ça ici, comme ça. Hein, c'est-tu pas pire, ça? J'adore ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup être capable de coordonner mes produits. Je vais rajouter cette petite feuille-là qui était dans le kit de la boîte tout inclus que j'avais pas mis sur ma première carte. Oh, bonjour Marielle. Bon, OK, je suis capable de voir les autres parce que OK, vous ne me donniez pas de commentaires, donc c'est pour ça que je ne voyais rien. Alors voilà, décidé de rajouter ici du petit feuillage. Ensuite, je crois que je vais y aller avec cette couleur-là. Mais je trouve que c'est un peu trop gros. J'ai envie de le couper. OK, je teste. J'ai envie de le couper. Alors, je vais couper ça au ciseau direct. Je fais ça en live, c'était pas prévu. OK. Alors, si je fais ça comme ça, comme un peu pour rappeler la route, finalement. Ah, ouais. Et que j'étampe mon vœu. Pensez-vous que ça le fait? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. C'est pas grave. Alors, je vais prendre l'encre pâtisserie à la pacane. Je vais aller quand même y étamper. Profite de ta journée. OK. Là, je pense que je viens d'avoir une autre idée. On va aller le couper. Regardez bien ça. Hein? Dans la vie, on peut changer d'idée. Alors, ce que j'aime des boîtes créatives, c'est que on peut les modifier, puis c'est parfait. Alors, profite de ta journée. Non, mais c'est pas merveilleux. Bon, j'ai dénaturé un petit peu l'étiquette, mais c'est pas bien, bien grave. Hein? Oh là là! Super! Et là, je vais aller coller ça. Regardez si je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur mon feuillage. Voilà. Hein, j'y vais comme ça. Hein, on s'amuse. On s'amuse. Et je termine avec mes bling-bling que j'avais oublié de sortir. Donc, j'y vais avec... Je vais aller en mettre un ici et je vais aller en mettre deux autres ici, comme pour ceinturer un peu mon image étampée. Et voilà! Qu'en pensez-vous hein, de mes étampes, de mes cartes qui, à la base, hein, viennent avec ce kit-là? Et je vous ai montré aussi...
deux autres cartes comme ça, hein, finalement, avec le même kit. Donc, on peut s'amuser avec ce qu'on a dans la boîte. On peut changer les choses. On peut juste utiliser le jeu des temples. On peut ajouter d'autres produits coordonnés. Donc, ça maximise notre boîte et c'est super le fun à faire. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que les boîtes créatives sont dans ma boutique en ligne. Je vais mettre le lien tantôt. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!